Et voilà, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, c'est Pierre la chaîne Crazy Kit. Hein. Vous avez vu les images parlent d'elles-mêmes, donc je suis en train de la décaper parce que je veux que ce soit nickel. Donc de loin ça pouvait passer, mais je n'allais quand même pas partir dans l'idée de considérer une maquette finie avec une couleur qui avait fripé complètement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc la peinture pache elle est très très bonne. Alors, le problème c'est que je me suis attaqué avec des peintures que je n'avais pas l'habitude d'utiliser. Donc en fait ce que j'ai fait c'est une erreur de débutant monumentale. Mais voilà ça arrive, hein, c'est pas la fin du monde. Donc alors la peinture pache elle fonctionne très très bien. C'est une peinture qui est déjà prête à l'emploi. Il y a même une bille dans le petit, enfin dans le récipient, donc vous n'avez plus qu'à secouer et mettre dans l'aérographe. Par contre, c'est vrai que j'aurais peut-être dû acheter le patch reducer, vous savez, ce qui ralentit le séchage de la peinture. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué qu'elle séchait très très vite. Et donc en cours de session, je me suis rendu compte que il y avait comme des petits pigments secs qui arrivaient dans ma peinture encore fraîche, donc ça ne va pas du tout. Donc ça c'est une grosse erreur, j'aurais dû faire plus de tests en dehors, mais bon voilà. Pour ce qui est de la peinture Life Color, je pense que c'est une très bonne peinture. Alors moi alors est-ce que j'ai bien fait? Je crois qu'il y a un thinner à diluant de la marque. Moi j'ai tenté de le diluer avec le leveling timer de Mr. Hobby, en partant du principe que c'était peut-être de l'acrylique compatible, et en faisant des tests de viscosité qui sont là, je voyais que ça se matchait, que ça se passait bien, donc je me suis dit aucune raison que ça ne marche pas. Par contre, j'ai eu, et ça vous l'avez vu dans mon gros plan sur la vidéo, la peinture jaune était comme râpeuse, comme une sorte de sable sec. Et là, je crois que ça vient du fait que pour faire un beau raccord vert-jaune, j'ai diminué la pression au niveau du compresseur. Mais encore une fois, j'aurais dû faire plus d'essais avant de m'attaquer à la maquette. Et donc voilà, j'ai eu de la peinture qui arrivait peut-être à mon avis trop sèche et c'est ça qui a foiré. Mais bon, c'était un très bon exercice quand même parce que je me suis rendu compte que j'arrivais à faire une belle délimitation. Pour ça, franchement, je suis assez content de moi entre le vert et le jaune aux bons endroits parce que sur internet, on voit il y a des gens qui le font trop haut, trop bas. Bon, moi j'ai bien revu les images du film pour le faire correctement. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, une fois qu'elle sera décapée et que je vais remettre en couleur, je vais remettre avec la pression avec laquelle j'ai l'habitude de travailler, c'est une barre. Voilà. Point. Et ensuite je joue avec la gâchette de l'aérographe. Mais là j'ai voulu essayer. Alors déjà j'ai utilisé des produits dont je n'avais pas l'habitude, et puis j'ai voulu essayer de travailler avec une pression sur laquelle je n'étais pas habitué non plus. Donc voilà, j'ai, on va dire, accumulé les erreurs, hein, mais c'est vraiment de très grosses erreurs de débutant parce qu'on sait bien que normalement il faut faire des tests. J'ai été un peu trop confiant, j'ai cru que ça allait passer. Voilà, bon, un décapage, et puis je vais tout refaire. Voilà, bon, mais pendant que ça se décape, pendant que ça se nettoie, je vais continuer le reste qui est plus avancé. Du coup, hein, le moteur, les roues, l'intérieur de la voiture, et alors je travaille bientôt aussi sur l'avion, le Sea Fury de chez Hobbycraft. Et donc voilà, alors la dilution de cette peinture-ci, j'ai fait beaucoup plus que du 50-50, parce que si je faisais du 50-50 comme avec du Tamiya ou du Mr. Hobby, je me rendais compte que c'était beaucoup, beaucoup trop épais. Donc voilà, encore une fois, j'aurais dû. Bon, une fois qu'elle sera décapée, je pense que je vais. En fait, la teinte, là, je la trouve très belle. La teinte pâle, je la trouve très belle aussi. Mais je crois qu'une fois qu'elle sera décapée, je vais la referme avec des peintures dont j'ai l'habitude, Mr. Hobby et Tamiya. Et pour ce qui est de cette peinture Life Color et la peinture pâle, je crois que je ferai une vidéo test en les appliquant sur des surfaces, on va dire didactiques. Voilà, comme ça pourra être un peu plus sympa. Alors bon, si vous avez regardé toute la vidéo sans rien zapper, vous aurez vu qu'après avoir mis la couleur, j'ai mis du vernis. Alors oui, j'avais déjà remarqué que la couleur avait foiré, mais j'ai quand même mis du vernis parce que j'ai voulu voir comment ça allait se matcher avec la couleur. Alors oui, c'est le genre de choses normalement qu'on fait
en dehors de la maquette, mais là, comme j'avais mis la maquette en couleur, je me suis dit, allons-y, on va faire le test. Bon, ça passe très très bien. Là, le vernis Mr. Robin n'attaque pas la peinture Pache ou Life Color, donc pour ça, il n'y a pas de souci, c'est compatible. Mais voilà, j'avais déjà vu que c'était trop granuleux. Alors, la peinture Pache, j'ai eu un phénomène étrange, c'est que même une semaine, parce que j'ai laissé tout sécher plus d'une semaine avant de décider de tout reprendre depuis le début. La peinture Pache qui a une autre texture, hein, une texture qui se rapproche un peu plus des peintures Model Master ou Revel Aquacolor. Eh bien, la peinture Pache, même une fois sèche, si je mettais mon doigt dessus, elle avait un aspect un peu collant. Ça, c'est un peu mystérieux. Donc, il va falloir que je refasse des tests avec cette peinture. Maintenant, c'est vrai que le Pache nous dit à combien il faut la tirer et avec quel but. Donc, je referai un test qui pourrait être intéressant. Mais voilà, c'est vrai que les peintures prêtes à l'emploi, j'ai parfois des soucis. Finalement, moi, ça me va bien de faire mes mélanges. Hein. Mr. Roby, Tamiya, en général, là, j'ai jamais eu de soucis. Et quand j'ai eu des soucis, c'était des erreurs de ma part, tout simplement. Donc voilà pour les nouvelles. On apprend de ses erreurs. Là, il faut encore que je continue à décaper tout ça. Le produit est encore en train d'agir. Heureusement, le Revel Paint Remover, il est super efficace. Donc c'est vraiment cool. Et puis voilà. Sur ce, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne, qui likent, qui mettent des commentaires. Ça fait toujours super plaisir. C'est la bonne humeur, le beau temps revient, le printemps est là, c'est super cool aussi. J'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que vous avez la forme. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, c'était Crazy Kid.